wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, ouais, milieu de semaine. Oh, j'ai une petite boule qui est tombée. Les feuilles commencent à tomber de l'arbre et à mon avis, elles devaient être accrochées à une branche où il y avait des feuilles et du coup, ça a glissé. Va falloir les enlever. Ouais. Je sais pas chez vous, mais chez nous, l'automne commence à bien s'installer. C'est parti. Alors, je suis pas encore maquillée. Je voulais tester un truc ce matin. J'ai acheté un kit pour mettre des... En ce moment, je suis dans le truc où je veux me faciliter le matin et pas mettre plein. Vous voyez que j'aime bien me maquiller, j'aime bien avoir l'air maquillé, mais vous voyez, facilité. Donc par exemple, je vous un truc, je mets quelques gouttes d'autobronzant dans ma crème de jour et le matin, bah, j'en mets et du coup, j'ai toujours cet air. Alors là, je parais très blanche. Mais j'ai toujours ce fond un peu bronzé et du coup après j'ai juste à mettre un petit peu de bronzer, vite fait, un peu de fard à joues, voilà. Et là je me suis dit je vais tenter les cils. Alors je veux vraiment pas le truc, vous voyez, volume russe là, machin. Mais juste quelques cils pour avoir cet effet œil plus pouf, qui fait tout de suite moins fatigué. Et que le matin, voilà, je peux... rester comme ça sans souci, quoi, en fait. Alors après, c'est juste une question de coquetterie, c'est juste moi, hein. Je pourrais très bien rester comme ça toute la journée. Mais voilà, j'aime bien avoir cet air un peu plus réveillé, maquillé. Enfin voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est juste une question de coquetterie. Donc je voulais tester. En fait, ça fait des petites grappes de cils qu'on vient coller en dessous. Il paraît que c'est très facile à mettre et vous pouvez le garder quelques jours. Ça tient à l'eau et tout. Donc voilà, je voulais tenter ça. Je me suis dit... en fait, j'avais mis un truc dans mon panier depuis X temps. Et là cette semaine j'ai reçu une alerte comme quoi qu'il était en promo. Et du coup ben, je me suis laissée tenter. Voilà. Donc je vous montre le résultat avant. Alors moi j'ai des cils, mais ce qu'il y a c'est que comme mes sourcils c'est la même chose, ils sont très très clairs. Donc j'ai l'impression en fait de, je sais pas, je devais être blonde dans une autre vie, mais oui, et du coup en fait ils se voient pas. Alors j'ai des cils parce que quand je mets du récil, ben tout de suite pouf, ça se voit, hein. Bon après ils sont pas de ouf et tout, hein. Mais c'est pas voilà, c'est comme mes sourcils, c'est la même chose, j'ai des sourcils mais ils sont très très clairs, donc du coup quand je mets rien sur mes, quand je fais pas mes sourcils, et ben on a l'impression, alors là moi j'ai un micro blading et de temps en temps je fais une coloration à sourcils et du coup ça pimpe un peu le truc. Alors j'ai déjà essayé aussi de faire un recourbement des cils et une coloration, mais j'ai mes cils, ils sont courts et du coup ça faisait un truc que j'aimais pas, quoi, en fait ça faisait pas le bien le truc comme on met du, enfin voilà, j'aimais pas du tout le résultat, donc du coup j'avais laissé tomber, je ne l'avais plus fait. Je préfère mettre du récil, quoi, en fait, parce que voilà. Et puis en plus ouais, ça avait donné une drôle de courbure à mes cils, quoi, en fait j'aimais pas, ça faisait casser, ça faisait style angle, enfin bref, ouais, donc j'aimais pas le résultat, donc autrement je pourrais aussi, hein, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai les cils et les sourcils qui sont très très clairs, donc ouais, on va tenter ça, on verra bien. Donc oui, hop, résultat avant. Alors j'espère que ça va pas être trop galère. Sur la vidéo de marche à suivre, c'était, ça avait l'air d'être assez simple. Alors après, j'essaie de mettre les fossiles, donc logiquement ça devrait aller. Ce qu'il y a c'est que les fossiles, ça prend quand même, et puis c'est quand même assez lourd et tout, donc là j'espère que c'est juste des petites touffes, quoi, en fait, on va voir. Alors je vais peut-être pas filmer tout le truc parce que si ça m'énerve je vais perdre patience et je risque de tout balancer si j'arrive pas du premier coup. Enfin pas du premier coup, mais il faut pas que, voilà, que j'insiste de trop. En fait dedans il y a, c'est un kit, donc du coup j'ai
les petits cils comme ça. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pris les plus petits parce que je voulais pas un truc trop paf. Une petite pince. Et il y a deux comme du mascara. En fait il y en a un, c'est la colle entre guillemets. Non, là c'est le, c'est après ça. Hop. Donc il y a le blonde, donc c'est la colle. Hop, avec un petit donc vous venez mettre comme ça en dessous. Vous venez coller vos cils. Une fois que les cils sont collés, on vient mettre un petit peu de ça. Et après, logiquement, ça tient 3-4 jours. Voire même plus. Ça dépend de, je pense, si vous trifouillez les yeux ou quoi. Et puis, ça tient à l'eau. Donc, vous pouvez vous baigner ou quoi avec. Logiquement, hein, voilà, comme je vous dis. Et ensuite, quand vous voulez les enlever, on a un autre produit comme ça. C'est pour les retirer, quoi. En fait, vous mettez, ça se découpe. Si, mettons, tout n'est pas parti, quoi, en fait. Ou quand vous avez 3-4, qui vous reste que 3-4 bouquets, là. Et en fait, c'est des petits bouquets. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'est des petits bouquets de cils en fait. C'est pas une grande bande de faux cils. Donc voilà, on va tester ça. Alors, est-ce que j'ai pu voir, faut mettre plus court et puis après plus long ici. Et vous en mettez ben, jusqu'à ce que le résultat, vous avez le résultat que vous souhaitez. Voilà. Alors, comme je vous disais, je sais mettre les faux cils. Ce qu'il y a, c'est que les faux cils, quand je les mets, déjà c'est lourd, vous le sentez quoi en fait, ça dépend les fossiles que vous prenez, faut les enlever tous les jours et puis faut prendre le temps de le faire, faut pas être dans le speed et tout. Si vous le faites ça dans le speed, ça, enfin moi je sais que ça m'énerve, j'arrive pas du premier coup et du coup ça, j'arrive pas du premier coup, je m'énerve et puis voilà. Donc là c'est pour ça que je me suis dit ça, je le fais une fois et après on est tranquille et on verra. Enfin voilà, c'est juste pour me faciliter la vie le matin et puis je voulais tester. J'aime bien tester les nouveaux trucs comme ça. Ça fait un peu comme les ongles quoi en fait, vous voyez. Donc on verra, on va voir. Donc voilà, je vous montre le résultat quand je l'ai fini. Et je vous dis si c'est facile ou pas, ou si c'est galère. Et je vous dirai aussi si ça tient. Enfin de toute façon vous le verrez. Allez on y va. Première connerie, ne pas mettre de la colle sur tous les cils. Parce que en fait j'ai impliqué le truc un peu comme on met un... On met du récile quoi en fait. Mais du coup, ça collait de partout alors qu'il faut vraiment mettre, je pense, à la base des cils. On va recommencer. L'avantage, c'est que j'ai vu que ça partait super bien une fois qu'on voulait l'enlever. Bon, on va attendre que celui-là, hop, sèche un peu. Et on va tenter sur l'autre en mettant de la colle co. En fait, comme j'ai vu, ça faisait comme un récile. Moi, j'ai pas cherché quoi en fait. Hein. J'ai mis voilà, de partout. Bon. Alors, première pose, je vous allais pas voir grand chose, je vais vous montrer là-bas. Alors, le truc, c'est de ne pas mettre du tout la colle sur les cils. Ça ne fonctionne pas du tout. Je le mets directement sur. En fait, c'est trop galère après parce que les cils collent de partout et tout. Ouais. Donc, en fait, je mets directement la colle sur les bouquets. Au bout, vous voyez directement sur le petit bouquet et je viens coller, donc ça fonctionne mieux. Et pareil pour le blonde, enfin le deuxième truc, il faut le mettre que là où à ras des cils quoi en fait, parce qu'autrement ça fait un effet carton. Alors c'est une première pose hein. Donc voilà. Et après en fait pour moi qui préfère l'effet un peu plus naturel, je sais pas si là j'aurais dû prendre que dans les premiers bouquets. Vous voyez tout en haut. Parce que là, ouais, c'est pas, pas vraiment l'effet que je recherchais, quoi, en fait. En fait, je voulais avoir effet comme mes cils, mais avec du récil. Donc, à voir. Je vais vous montrer à la lumière. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais. Quoique, en fait, ça va encore. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais... c'est pas non plus... Voilà, là, vous voyez bien, là. Hop, et là c'est sans. Et là c'est avec. Et ça tient bien. Hein. Franchement, ça tient super bien. Alors j'en ai pas mis énormément, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais juste un effet. Mais oui, en fait, compte, c'est pas mal. Hein. Hein, je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas trop mal.
Bon, après, je vais m'améliorer à la force, hein, mais moi, ouais. Bon, on va essayer de faire le deuxième maintenant. Mais oui, donc ne pas mettre la colle sur les cils, comme j'avais vu dans la vidéo explicatif. Faut le mettre directement sur les trucs. Et je pense que même la prochaine fois, j'achèterai directement la colle qu'on met dans des petits pots, là. Vous voyez, comme à l'esthéticienne, je pense que ça doit être beaucoup plus simple. Vous prenez votre bouquet, vous le trempez dans la colle et claque. Ben, voilà, je suis maquillée, alors je sais pas, peut-être que la prochaine fois je mettrai vraiment les plus fins, parce que j'ai l'impression que là c'est un peu trop tout, un peu trop, voilà, enfin dans le goût que je recherche moi quoi en fait, donc ouais, je pense que la prochaine fois je ferai que avec les plus fins, je mettrai pas les plus gros balais. Bon, après, comme je vous ai dit, à voir si ça tient et à voir si je les tiens. Après, j'aime bien, hein, c'est pas ça, c'est que là ça fait trop... ça doit être nickel avec un maquillage très travaillé. Vous voyez, quand on met des faux cils et qu'on a un maquillage qui est très travaillé, ça doit être vraiment très bien. Mais pour tous les jours, je préférerais quelque chose qui soit un tout petit peu plus, plus discret. Donc je prendrais vraiment les tout. Alors faites attention, parce que si vous voulez acheter le kit, il y a plusieurs courbures, il y a plusieurs trucs de feu, de touffe en fait, style de touffe. Moi j'avais pris les tout premières, les plus fines, et encore vous voyez là déjà là, les plus fines. Le deuxième donne déjà quelque chose qui est quand même assez pouf. Donc ouais. Bref, allez, là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de téléphoner à l'hôpital pour avoir des nouvelles de maman. Ensuite, je vais faire mes sols et mes poussières, parce que je ne les ai pas fait hier. Comme ça, la maison aura été faite. J'ai vu les infirmières, elle a bien dormi, sa fièvre commence à baisser, donc c'est plutôt bon signe, comme ils disent. Alors elle n'avait pas les résultats de prise de sang sous la main, donc elle pouvait pas me dire si voilà, l'infection perdait un peu du terrain et que voilà. Mais voilà, elle dit que moment là elle était au fauteuil, que c'était... On était plutôt pour l'instant sur la bonne voie, donc c'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Allez, on va voir. Alors cet après-midi, j'ai ma grande sœur qui y va, ma petite sœur avec mon père. Donc je pense que nous on n'ira pas, parce que ça va lui faire beaucoup de visites. En plus là où elle est, c'est, comme je vous ai dit, c'est réglementé, très réglementé. Donc j'irai sûrement demain. De toute façon je l'appellerai, on lui a ramené son téléphone, donc on peut l'appeler directement. Donc ouais, je l'appellerai tout à l'heure pour voir comment elle va. Là je sais que mon père allait l'appeler, donc je vais pas appeler tout de suite. Bon allez, on va faire ses routines, enfin ses routines, non, les routines sont faites, son sol et puis façon blessing. Maison toute propre, en haut et en bas, j'ai fait les poussières et lavé les sols. Là, je vais me mettre un petit peu en cuisine, j'avais envie de faire des crèmes brûlées. En fait, j'ai de la crème à faire partir, de la crème liquide avant qu'elle se périme, donc je vais faire une petite crème brûlée pour le dessert. Alors, je fais la recette Coco Mix avec mon robot, je choisis la facilité. le soleil, il fait frais, mais le soleil est là, ça fait... voilà, c'est quand même plaisant. Mais là, ouais, et je sais pas, vous, mais petit à petit, je commence un petit peu à me mettre dans le mood automne, alors vraiment petit à petit, hein. En fait, c'est hier, en faisant les courses à grands frais, bah, ils avaient sorti tout ce qui est... un peu voilà, les trucs un peu plus chauds, les légumes d'été étaient un peu moins mis en valeur quoi en fait. Et là il y avait des pois cassés, j'ai agréché, ah c'est vrai les pois cassés, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Il y avait quoi aussi qui était mis, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, mais c'était plus des recettes voilà d'automne quoi, automne hiver. Mais bon, j'espère quand même qu'on aura encore quelques petits jours agréable quoi en fait, parce que voilà, hein, l'été a paru tellement court, on n'a vraiment pas eu d'été quoi en fait. Je sais que Stécie, elle m'a demandé aussi des courges spaghettis cette semaine, elle me dit c'est quand la saison des courges spaghettis, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Alors Greg en a mis au potager, mais je sais pas si on a beaucoup dessus, comme là il a mis des chouchous. Christophile, ouais. Et je sais pas si on a dessus quoi en fait. Il y avait même mis un autre truc aussi, mais c'est pareil. Je sais pas si il y a. Faudrait que j'aille voir aussi chez mon père, parce qu'on lui en avait filé une qui a mis dans sa serre.
Mais oui, un petit peu à la fois, le mode automne va s'enclencher. Malgré le peu d'été qu'on a eu. Alors, je vais faire ça. Et puis après, je vais peut-être faire une tarte aux pommes aussi. J'ai pas mangé de pommes de tout l'été, printemps-été. Moi, arrive un moment quand les fraises, les pêches et les machins et tout arrivent. Les melons, les pastèques et tout, je laisse tomber pommes-poires. Je ne les vois plus. Et je reprends l'automne. Parce qu'en fait, je profite à fond des légumes de saison. Parce qu'après, il me manque de trop, quoi, en fait. Et là, j'ai vu hier, y avait des prunes. J'ai pris des prunes, mais les pêches, bah, ils restaient plus, alors que le rayon était pratiquement plein, enfin le rayon fruits était plein de pêches, brugnons, nectarines, enfin voilà. Là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus qu'un petit truc de pêche. Donc, à mon avis, ça commence à sentir la faim aussi. Hop, allez. Et voilà, 5 petites crèmes brûlées pour ce soir. Et comme j'ai utilisé que les jaunes d'œufs, ce que je vais faire, je vais utiliser mes blancs pour faire un pain. Vous voyez le pain au blanc d'œuf, je pense que je vais faire ça. Pour cette recette, j'utilise de la levure de boulangère. Alors moi, je mets que la moitié d'un cube. Je mets pas tout le cube. Je trouve que c'est largement suffisant. Au moins, ça n'a pas trop le goût de levure. Par contre, j'ai oublié de racheter de la levure. Il me restait un cube. En fait, j'aime bien tout le temps en avoir à la maison. Parce que, outre le pain, je l'utilise pour faire... Mais alors c'est parce que pour le pain j'utilise mon levain, hein. Mais pour tout ce qui est pâte à pizza ou quand j'ai envie de faire une brioche ou un truc comme ça, je sais pas, je trouve que les brioches au levain, je n'aime pas. En fait, dès qu'il y a du lait dedans, je trouve que l'acidité du levain avec le lait, je sais pas, le goût est... Enfin voilà, enfin c'est un goût perso, hein, mais je sais pas, je trouve que ça... La texture est complètement... Enfin, le goût est complètement différent d'une brioche classique à la levure. Et c'est quand il y a du lait dedans. Est-ce que c'est le lait avec le levain qui fait comme un peu fermenté, vous voyez, le lait, et du coup, ça donne ce goût... je sais pas comment vous expliquer. Enfin, mais bref, je vous ai déjà dit, je suis très sensible au goût, quoi, en fait. Et je trouve que le résultat n'est pas top. Après, comme ça, c'est juste une histoire de goût perso. Hein. Bref, j'ai oublié d'en racheter. Donc, il va falloir que j'y aille parce que je ne pense que là, j'en aurai assez pour faire ma pizza de ce week-end. Mais si je veux faire autre chose, une brioche ou quoi cette semaine, j'en aurai plus. Et j'aime bien toujours avoir un petit cube d'avance. Hop! Alors, ça se conserve assez longtemps en poussant au frigo, ça. Donc j'ai mis la moitié d'un cube et je vais rajouter... Alors, moi, je vais faire un gros pain. Parce que j'ai 5 blancs d'œufs. Une fois à peu près. 80 grammes pour 300 grammes de farine. Et là, je pense que je dois au moins avoir 160. Donc, je vais doubler. Je vais faire un gros pain avec 600 grammes de farine. Donc, la moitié d'un cube et 600 grammes de farine. Enfin, je ne vais pas me casser la tête. Hein, je vais tout mettre limite dans mon bol. De mon robot pétrisseur. C'est une bonne façon aussi de faire partir les blancs d'œufs. Ça évite de gaspiller. Je vais mettre un sucrant. Alors, soit vous mettez du sucre comme vous voulez. Ça, en fait, ça fait un pain un peu brioché. Vous voyez? Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre normal. Ah, quoique. Peut-être mettre du miel. Comme dans mes petits pains mous aux graines, là. Une cuillère de miel. Hop. Et à chaque fois pour le miel, moi j'utilise du miel d'acacia. Ensuite, donc une cuillère de sel. Alors ma levure est dans le fond. Hein. Mettez pas votre sel en contact avec votre levure. Hop, voilà. On va rajouter du lait. Comme je vous ai dit, ça fait un pain un peu brioché. En plus, il se conserve super bien. Et les enfants vont être contents à 4 heures, je pense. 110 grammes. Alors du coup, moi, je double. Donc, 220.
Alors, je répète, 11 g de sel, la moitié d'un cube de levure, une cuillère à soupe de miel et 600 g de farine T45. 220 g de lait et 160 g de blanc d'œuf. Alors, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que vous allez voir qui va... Ah non, ça va. C'est bien. J'ai 157, ça ira. Hop, et ensuite on pétrit. On pétrit pendant jusqu'à ce qu'on ait une belle boule, quoi, en fait. Et puis voilà, et on laisse la pâte lever. Très simple. Là, j'ai ma belle boule. On va la laisser lever. Faut qu'elle double de volume. Donc, au moins, enfin, je vais vous dire une heure, mais ça dépend de la température qu'il fait chez vous, s'il fait froid, si voilà, s'il fait très chaud. Elle va lever plus vite ou moins. Alors, j'ai appelé maman, ça répondait pas, donc j'ai pas insisté, je me suis dit ça, elle devait occuper, et là elle vient de me rappeler. Ça va, en fait ça va. En fait, ses perfs, à la force d'être piquées, ses veines, elles pètent, et du coup ses perfs ne passaient pas bien. Donc là, elle a dit, ils m'ont passé un... Je sais pas c'est quoi, un cathéter. Je sais que papa, il y avait eu un truc comme ça après son opération au niveau de, directement dans l'artère ici. Mais là, elle me dit que c'est au bras. Donc, est-ce que c'est la même chose? En fait, c'est un truc qui passe directement et qui reste. Et mon, je sais que papa, il a gardé toute son hospitalisation. Ça leur permet de faire passer dedans au cas où, voilà, ils ont un souci. Et là, du coup, ils lui ont mis ça au niveau de son bras. Au moins, ils doivent pas la piquer tous les 5 minutes parce que là, elle dit, elle est remplie de bleu. Et du coup, ben, les antibiotiques ne passent pas très bien. Mais bon, là, ils ont eu, elle a eu les résultats de sa prise de sang et sa CRP qui était très très haute commence légèrement à baisser. Donc, ça veut dire que les antibiotiques commencent à faire effet. Mais comme ils lui ont expliqué, le fait que ses veines pètent à chaque fois, ben, elle a pas la dose d'antibiotiques qu'elle devrait avoir, quoi, en fait. Donc là... Avec ça, logiquement, ça devrait aller mieux et ça devrait passer encore mieux. Mais bon, là, je retrouve maman au niveau de la parole parce que c'est ce que je lui disais. Hein. Mardi, elle était très confuse, elle cherchait ses mots, on comprenait pas tout. À un moment, elle m'a demandé des choses qui n'avaient aucun rapport. Enfin voilà, par exemple, elle m'a demandé « Mais il est où ton père? Qu'est-ce qu'il fait ?» Je lui dis « Mais papa, maman, papa, il est à la maison. Tu te sais où tu es ?» Parce qu'en fait, elle était complètement... déboussolée, quoi, en fait, et complètement, ouais, ça c'était la fièvre qui faisait ça, mais ouais, enfin, bref, là elle reparle bien, voilà, je retrouve maman, quoi, en fait. Puis c'est ce que j'expliquais à l'hôpital, c'est que là son état de santé, c'était, enfin, c'est même pas son état de santé, c'est, enfin, son état de santé, oui, et c'était dégradé, mais en 15 jours de temps, on était passé d'une maman qui était complètement autonome à une maman qui savait limite plus marcher, quoi, en fait. Et du coup, c'était pas maman, quoi, en fait. C'était, voilà. Enfin, bref. Le principal, c'est qu'on va dans le bon sens. Et ça rassure et ça fait du bien, du coup. Même si elle en a encore pour quelques jours. Hein, on ne va pas être sorti complètement là. Mais voilà. Hein, c'est déjà un bon... On est sur la bonne voie. Et du coup, voilà. Alors, je suis en train de préparer le repas pour ce midi avec Greg. On va manger une petite salade mâche betterave, du flétan. Et puis, je vais rajouter, parce que ce matin, j'avais envie de saler, comme j'avais des avocats et que j'ai l'autre moitié de l'avocat, je vais rajouter aussi l'autre moitié de l'avocat. Une petite salade avec ce qu'il y a dans le frigo. Une salade composée. Alors, le flétan, c'est du ad hoc, en fait. Je l'achète à grands frais. Hop. Donc là, c'est en morceaux. Je vais juste le couper en petits cubes. Greg aime bien ça. Et je vais rajouter des lentilles aussi dedans. La salade lentilles flétan, c'est rare que... Greg me réclame une salade, mais celle-là, c'est tout le temps lui qui la réclame. Mais comme les enfants sont pas trop fans, ben voilà. Là, du coup, cette semaine, là, on n'a que des trucs que les enfants n'aiment pas du midi. Comme Angel fait de nuit, il mange pas. Il dort, quoi.
que j'ai pu voir, j'ai fait mes petites recherches, du coup j'étais curieuse. Ça s'appelle un pick-line. Un pick-line, c'est, ça reste dans le bras, ça peut rester pendant quelques mois. Ça permet de mettre les traitements directement dans une grosse veine. Et ça évite de piquer quand on a des veines qui, comme maman, ne tiennent pas très bien les cathéters et les piqûres à répétition, etc. Alors, je suis en train de m'amuser à couper mon haddock en petite lanière, comme ça, pour mettre dans la salade. Cet après-midi, on va peut-être aussi aller jusque Famille Flora, à voir, parce que il nous faut la nourriture pour les chiens. Je préfère y aller aujourd'hui, qu'il y ait une journée un peu plus cool, parce que les sœurs ont pris le relais, et parce que demain, ouais, je vais aller voir maman. Hop là. Bah, ça y est, petite salade du coup faite, on va pouvoir manger, Greg est rentré. C'est ça. Mais je sais pas quand est-ce qu'on doit commencer déjà à acheter des livres pour Stacy. Bon allez, on a mangé, on va tout de suite parce que je voudrais passer vite fait au grossiste à aller chercher de la bombe pour mes plats. Et puis ensuite on va chercher la nourriture pour les animaux. Du coup on a été. Alors on est passé aussi au grossiste aussi. Parce que comme je l'ai dit, il me fallait de la bombe pour la bombe là que je mets sur mes moules à gâteau et tout. Et puis à Famille Flora, on est tombé sur des bonbons un peu. Donc là c'est des pieds, des mains, enfin quand en squelette. Je sais pas si vous voyez. Là, ça fait des sucettes. C'est pour les loulous. Pour en fait leur faire un petit sac avec des gourmandises pour. Là c'est un doigt qu'ils doivent tremper dans un truc sûr. Bon je sais pas, ils vont faire risque de faire des grimaces quand ils vont manger, mais bon. Hein? Ouais, j'y vais. Tiens. Bah, tu peux raccrocher ça en même temps. Merci chef. T'as l'air? Je vais faire le truc. Ouais. Donc je suis en train de leur préparer un petit sac pour Halloween avec des petites. Dès que je vois quelque chose, en fait, je le prends. Allez, je vais aller. Je vais pouvoir faire ma. Alors, avec le pain, il a bien gonflé. Je pense. Alors, c'est un pain brioché, mais j'ai bien envie de faire style. Vous voyez la brioche tressée, là, avec. C'est un baka. Vous voyez, ça fait une brioche tressée avec. Vous garnissez avec ce que vous voulez. Donc, je pense que je vais faire ça. Comme ça, on pourra la manger pour le goûter. La bombe que j'achète, c'est ça, en fait. C'est une bombe. Alors, je sais qu'ils font aussi la marque Alza, maintenant, en grande surface. C'est une bombe de démoulage, en fait. Ça va super bien pour démouler les gâteaux et tout. Ça vous évite aussi de mettre une dose de matière grasse. Hop. Là, je vais sortir mon plat. Je vais en faire un gros. Enfin, moi, je n'ai pas utilisé ce plat. Alors, souvent, quand j'utilise, vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté. En fait, j'ai vu qu'à... C'est quoi? C'est pas l'incroyable. C'est... Stocomanie. Voilà. En fait, il y a deux moments, c'est des terrines à pâté, en fait, ça, je pense. Et moi, je l'avais acheté parce que je faisais... Quand je fais mon pain... sur mon pain japonais, mon pain de mie japonais, c'est la taille parfaite, il gonfle bien et ça vous fait des grosses tranches et c'est ce que j'aime quoi en fait avec ce pain. Bah, je vais étaler ma pâte, la garnir, je vais la garnir de Nutella et je vais mettre un peu de pralin aussi dedans, comme ça ça va faire un petit côté croustillant. Je vais la tresser ensuite. Alors, j'ai étalé ma pâte, j'ai mis un peu de Nutella, je vais rajouter du pralin, ça va apporter du croquant. Oups. Et je vais rouler ça comme un roulé, vous voyez, comme les roulés, les gâteaux roulés. Un
une fois qu'on a un beau saucisson comme ça, on va venir couper en deux. Hop là, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. On coupe en deux. Je vais mettre un peu sur la face. Voilà. Et on vient tresser donc un côté. Voilà. Et là, du coup, je vais poser ça dans mon moule qui est beurré. Hop là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remettre un tout petit peu. Je vais peut-être d'abord mettre de la dorure. Et puis après, je vais remettre un petit peu de pralin sur le dessus. J'ai mis la dorure. On voit que c'est les œufs de chez mes parents. Le jaune est jaune limite fluo. Hop, je remets un tout petit peu de pralin. Et on va la laisser lever. Il faut qu'elle redouble de volume. Alors moi, là, je vais la mettre dans mon four. Position pâte. Comme ça, ça va lever. J'ai une position pour faire lever les pains. C'est bien pratique quand ils commencent un petit peu à rafraîchir. Alors, comme ma brioche est dans le four. Elle est en train de cuire. Elle avait bien levé. Avec le four, avec cette position sur le four, en 30 minutes, c'est levé, quoi, en fait, c'est, enfin, deuxième pouce. Ça, en fait, c'est une position vapeur, mais à 35 degrés, ça aide du coup à lever. Et là, j'utilise aussi la position, parce que j'ai une position pour faire cuire le pain. Pareil, j'utilise de la vapeur et je trouve que, alors pour le pain, quand je le cuis dedans, vous voyez mon pain au levain, ça... J'ai des meilleurs résultats avec la cocotte, mais pour tout ce qui est pain de mie, les brioches, les petits pains mous, les trucs comme ça, le fait de ramener, d'apporter de la vapeur, vous avez vraiment des petits pains qui restent tout mous, tout et qui lèvent super bien. Bref, je l'adore mon four. Le seul truc, comme je vous avais dit, c'est juste le nettoyage, parce que la vapeur, ça, comme là, je sais que... Ben, ça va être, il va avoir une tache d'eau dans le fond qu'il faut que je frotte, parce que si je la frotte pas, en fait la vapeur après quand je vais utiliser mon four pour cuire, l'eau qu'il y a dedans, elle va s'évaporer et ça fait des traces de calcaire en fait dedans. Pourtant j'utilise de l'eau de bouteille, hein, parce que justement comme notre eau est très très calcaireuse, il était écrit que c'était conseillé en fait d'utiliser de l'eau de bouteille. Enfin de l'eau minérale, quoi, en fait. Bon, alors je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Ce soir je fais un, alors je vous avais partagé il y a quelques temps une recette de poulet marimi. Alors c'est Marie, M-A-R-R-Y, et mi moi en anglais, ça veut dire poulet marimoi. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait c'est une recette américaine, et en fait ben, c'est parce que c'est tellement bon que quand vous le faites goûter à votre chérie, et ben, il n'y a qu'une envie, c'est de vous épouser. Il vous demande en mariage après ce repas, quoi, en fait. Donc ça, c'est une recette que je vous avais déjà partagée. La recette, elle est sur le blog, et c'est vrai que c'est vraiment très très bon. En fait, toutes les saveurs se marient super bien ensemble, et voilà. Et là, c'est une déclinaison de cette recette en one pot avec du riz, de l'orzo en fait, dedans. Donc l'orzo, c'est les petits grains de riz en forme, enfin des, on appelle ça aussi des langues d'oiseau, ou du rizoni, c'est des pâtes mais en forme de riz. Alors, du coup, pour cet orzo au poulet marimi, il vous faut de l'huile d'olive, du blanc de poulet ou du haut de cuisse des ossets, ça à vous de voir. Donc là, j'ai un 500 g pour nous 5 que j'ai coupé en gros cubes, style la taille d'une bouchée. On a besoin ensuite de sel, de poivre, de l'ail. Donc moi, c'est une grosse gousse d'ail, mais c'est l'ail éléphant du jardin à grec, donc ça correspond à 3 gousses. Il faut l'équivalent, on va dire, d'une belle cuillère à soupe. Ensuite, il vous faut des tomates séchées.
Donc j'ai pris à peu près une dizaine de pétales qu'on vient hacher grossièrement. Une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de thym et deux cuillères à café de paprika. Hop, pour l'assaisonnement. Ensuite il nous faut de l'orzo. Moi j'ai pris 400 g pour nous 5. Du bouillon de poulet, donc 1 litre de bouillon de poulet. De la moutarde de Dijon, 2 cuillères à café. 250 g de crème épaisse qu'on va mettre. En fait, comme je vous ai dit, tous les ingrédients vont vont bien se marier ensemble. Je vous assure sûr que cette recette, il faut vraiment l'essayer. Elle est vraiment très très bonne. Puis là, en plus, comme c'est un one pot, ça va encore plus vite. Tout cuit dedans et vous avez juste une marmite à nettoyer et ça, c'est cool. Ensuite, on va mettre des épinards. Donc ça, c'est optionnel, mais moi, j'aime bien rajouter du vert dedans. Ça fait un légume. Donc j'ai pris 4 grosses poignées d'épinards frais. Vous voyez les jeunes pousses. Hop. On pourrait mettre aussi du chou kale aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Voilà, après vous pouvez même mettre des champignons si vous voulez, enfin le légume que vous voulez, et puis après vous en mettez pas, c'est à vous de voir. Ensuite il faut du parmesan râpé, à peu près 50 g, et c'est tout. Voilà, donc on va commencer donc, dans une marmite quand même assez grande. Hop. Alors là moi j'ai préparé tous mes ingrédients, comme ça je ne dois pas courir, à part la crème que j'ai laissée dans le frigo. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire d'abord dorer le poulet. Bon, j'étais en train de me dire il est tôt pour faire à manger parce qu'il y a à peine 5 heures. Mais je vais faire et je réchaufferai après. Voilà, ça sera très bien. Ou si ça tombe, ça va rester chaud. Comme ça, ce sera moins la course. Vous savez que j'aime bien prendre de l'avance le soir. Comme ça, après, je peux me poser avec Greg dans le canapé avant de manger. Et puis, voilà. Puis, ce que je fais quand je fais comme ça à manger avant, je nettoie tout. Comme ça, le soir, j'ai juste ma marmite à nettoyer au niveau de la vaisselle, puisque le reste, je mets dans la vaisselle. Mais la cuisine, elle est déjà propre, quoi. Vous voyez? Alors, une fois que le poulet commence à dorer, on va ajouter l'ail et les tomates séchées. Nos petites épices, donc les deux cuillères à café de paprika, la cuillère à café d'origan et la cuillère à café de thym. On va bien mélanger. On va pouvoir ajouter l'orzo. On mélange. Alors, on va saler un tout petit peu, mais salez pas trop parce qu'il y a le bouillon de poulet. En fonction du bouillon de poulet que vous allez utiliser, vous allez devoir utiliser plus ou moins de sel. Quoi, en fait. Je vais poivrer aussi. On va ajouter la moutarde, donc moutarde de Dijon, 2 cuillères à café, et on ajoute notre litre de bouillon de poulet. Et la recette elle est déjà pratiquement finie. Là on va laisser cuire 12 à 15 minutes jusqu'à ce que en fait l'orzo soit complètement cuit. On va faire cuire avec le couvercle, donc on vient vérifier entre deux que ça attache pas trop, et on fait cuire du coup comme je vous dis entre 12 et 15 minutes. En vérifiant un petit peu entre deux la cuisson. Elle est cuite, enfin j'espère. Je l'ai mis à peu près 40 minutes à 180. On va voir. En fait c'est un peu trop peur avec le chocolat. Donc, mais bon, ça a l'air d'être bien doré. Hein. Elle a l'air cuite. Mmh. Alors, est-ce que
il est l'heure de goûter là. Donc mon avis, ils vont vouloir manger un bout. Elle est encore chaude. Je vous montre à l'intérieur. Alors, une fois que l'orzo a tout bu les liquides et que les grains sont bien cuits, on va pouvoir ajouter notre épinard. Ça va fondre, ça fait une grosse quantité, mais il n'y a plus rien après. Hop, on va essayer de manger un tout petit peu. Alors on baisse le feu, mais on met à 1, très très doux. Hop. Après, on va ajouter les 50 g de parmesan. Après, on peut en resservir à table si vous en voulez plus. Et on va ajouter les 250 g de crème épaisse. J'ajoute la crème épaisse. On va la laisser fondre et faire fondre les épinards. Donc à feu doux hein, pour pas que ça attache dans le fond. Et après, ben, c'est fini, il n'y a plus qu'à manger. On va manger. Alors, on est-ce que ça donne? Ça sent très très bon. Et pour la brioche, je pense qu'elle est bonne. Il reste plus que la moitié. Regarde pas mon assiette. C'est papa qui a tout mangé. Ouais. J'ai pris qu'une part. Une grosse part. Il est en train de bosser, ouais, sur le PC. Ouais, si elle est bonne. Je vais retenir l'idée pour utiliser des blancs d'œufs, c'est une bonne technique. Il manquait un peu de chocolat, pardon. Oh non, on l'avait déjà. Mais c'est vrai qu'après, là, j'ai mis du chocolat. Du pralin, peut-être. Du pralin. Ouais, mais c'est vrai que là, j'ai mis du chocolat, mais on pourrait le faire aussi avec du praliné, ça doit être bon. De la confiture. Non. Avec de la confiture de fraises. La crème à la vanille, là, qu'on aime bien. Ah oui, le flan, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Avec des pépites de chocolat. Ouais, ah, ça ou pas des pépites de chocolat, Stécie n'aime pas le chocolat, ou version automne avec de la cannelle et du sucre et du beurre là. Ouais, mais voilà. Moi j'aime bien, hein. Mais eux la cannelle c'est pas leur truc. Ouais, et c'est dur hein, de satisfaire tout le monde, c'est ce que je vous disais c'est de la semaine dernière. Ça ou même avec ouais, de la confiture ou des fruits aussi, hein, style des framboises ou des trucs comme ça. Oui, t'en fais pour toi. Ah, c'est vrai qu'après, on pourrait le faire en individuel. Et les faire cuire dans des... et faire des goûts différents. Ouais, m'amuser. Bon, allez. Je suis en train de me prendre une petite salade pour manger à côté. Hop. Ouais. Je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Demain on est jeudi. Allez, encore demain où on se lève tôt, après dimanche, enfin vendredi, Stécie commence à 10h logiquement. Bon, je me lèverai tôt quand même, hein, mais ça sera, voilà. Il y a de quoi ? À demain.